Nous sommes le 21 juillet 2014 après Jésus-Christ. Tous les habitants de la Belgique sont venus au palais royal pour avoir un autographe du roi. Tous, non. Un habitant n'en a rien à faire d'avoir ou de ne pas avoir un autographe du roi Philippe. Et cet habitant, c'est moi. Aucun habitant de la Belgique regarde ta vidéo pour l'instant parce que tous les habitants de la Belgique sont allés au palais royal pour avoir un autographe du roi Philippe. Aujourd'hui, on est le 21 juillet 2014. Et le 21 juillet, c'est quoi? C'est le jour de la fête nationale de la Belgique. Donc pour cet épisode, je vais parler de la Belgique. La Belgique est un plat pays qui est le mien, situé en Europe. Tu dis n'importe quoi, la Belgique c'est le plat pays à Jacques Brel. En tout cas, dans le plat pays, on retrouve Tintin, Stromae, Pierrot, Jacques Brel, Lukaku, des frites, Saint-Nicolas, des spéculoos, Dupont et Dupont, Fantasio, Bob Lennon. Non, pas Bob Lennon, il est français, Bob Lennon. On retrouve aussi des blagues, des schtroumpfs et le plus important, des Illuminati. C'est parti pour ma théorie. La Belgique est un pays illuminati. En effet, car le parc de Bruxelles a été construit par les francs-maçons. En revanche, l'équipe belge s'appelle les Diables Rouges. C'est clairement une équipe sataniste. Qui dit Satan et franc-maçon dit clairement Illuminati. D'ailleurs, il est possible de tracer 4 triangles Illuminati sur le drapeau de la Belgique. En gros, si vous détestez les Illuminati, il ne faut pas venir vivre en Belgique. Parce que la Belgique, c'est un pays d'Illuminati. Voilà, c'était l'épisode 19 d'Image 69. Sur ce, je vous laisse et je souhaite une bonne fête nationale à tous les Belges.